I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. Yo tout le monde les gars, c'est Fian Sofut, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi les gars, ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et sur FIFA 14 Ultimate Team bien évidemment. Donc les gars, on se retrouve pour le deuxième épisode de ma série création d'une équipe au hasard. Donc aussi je commente avec un nouveau micro, donc c'est pas mon Turtle Beach PX22, c'est le Turtle Beach PX21 qui m'est prêté par un pote. Donc merci à toi Noah, donc je te fais une petite dédicace comme tu me l'avais demandé, tu te reconnaîtras. Donc voilà, merci à toi et donc voilà, donc le PX22, je sais pas, j'avais quelques soucis avec, donc là il m'a prêté son PX21 et franchement je le trouve un peu plus simple d'utilisation et voilà, le son, voilà, normalement ça devrait pas poser de soucis. Donc on se retrouve pour le création d'une équipe au hasard, épisode 2 les gars. Donc vous avez été nombreux à me demander est-ce que tu stoppais la série ou pas. Non les gars, non pas du tout, parce que cette série c'est un peu celle qui m'a fait un peu prendre un envol de ma chaîne. Parce que c'est une série qui a vraiment beaucoup plu. J'ai même l'Anifi m'avait envoyé un message en me disant que vraiment la série leur plaisait beaucoup et que malheureusement à cause de mon micro ils pouvaient pas prendre la vidéo, mais que ça leur plaisait beaucoup. Donc voilà, donc je suis de retour avec cette série pour le deuxième épisode. Donc peut-être que je l'enverrai à l'Anifi, je ne sais pas, donc on verra bien. Donc les gars, c'est parti. Donc pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, donc à quoi consiste la série création d'une équipe au hasard? Tout simplement, je vais dans la recherche d'enchères, je mets niveau or et je cherche. Par exemple là, je lance une recherche et le premier joueur que j'ai, je le mets, je le prends et je le mets dans une équipe et ensuite je vais faire un match ou deux. Donc là, il y aura deux matchs avec cette équipe et ce joueur et je vous donne mon avis sur ce joueur. Voilà, c'est comment l'utiliser, est-ce que c'est plus un joueur de tête, voilà, si c'est un défenseur, ben est-ce que je le préfère par exemple, voilà, je vous dis toutes ses spécificités, je vous parle un peu beaucoup de lui, je vous dis aussi stats in-game en fin de vidéo. Donc voilà les gars, donc on est parti pour la recherche, donc j'ai une recherche en or, donc je tombe sur Thiago Neves boosté. Donc Thiago Neves boosté, je vais pas le prendre parce que c'est un boosté et il joue en ALG League, donc c'est pas intéressant franchement les gars. Je pense que vous comprendrez que voilà, je vais pas le prendre, ça sert à rien, il y a même pas d'équipe. Donc on va relancer une enchère. Alors je tombe contre sur Giggs. Donc voilà, donc Giggs de Manchester United. Donc Ryan Giggs la légende. Donc on va aller immédiatement le chercher. Donc voilà. De toute manière, je voulais me faire une équipe BPL, donc ça tombe bien. Je voulais pas forcément la faire tout de suite, mais écoutez les gars, on va faire une BPL autour de Ryan Giggs, donc le milieu offensif gallois de Manchester United. Donc voilà, la légende. Franchement, c'est une légende. Ça me fait plaisir de faire cet épisode avec lui parce que c'est un joueur que j'adore, qui est très 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 bon pour son âge. C'est un très très bon joueur. Et voilà, 80 dans le dribble, 84 en passe, 76 en tir. Voilà, il est gaucher, il a 3 stop gestes techniques. Donc voilà, ça peut être un joueur assez intéressant. Ryan Giggs. Donc voilà, donc je l'achète et je le place dans mon équipe. Donc ça sera la team BPL. Donc je vais aller directement mettre ça dans le nom de l'équipe. Et on est parti pour aller faire cette équipe de Barclays Premier League. Donc voilà les gars, donc je pense que vous comprendrez, j'ai pas pris l'autre là de Al Hilal. Parce que voilà, sinon ça sert à rien, je vais pas faire d'équipe. Hein, c'est pas intéressant une équipe de championnat Qatar. Voilà quoi, il n'y a rien du tout quoi. Ouais, je me suis trompé, c'est pas Toni Kroos, c'est Giggs, voilà. Donc on va faire ça en 4-3-3 version 4. Donc je vais juste mettre un petit entraîneur de BPL. Voilà, j'ai acheté Pellegrini il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc voilà, donc on est parti. Donc je vais juste mettre ma team BPL. Je vais mettre le nom team BPL. Bon, je vais laisser YouTube, c'est pas grave. Je vais laisser YouTube. Et donc voilà les gars, donc allez, on est parti. Pour la création de l'équipe. Donc voilà. On va commencer donc par le gardien. Donc hop, niveau or, championnat Barclays Premier League. Donc gardien. Donc je verrai si je fais un match ou deux. Ça dépend. Si vraiment dans le premier match, je peux vraiment vous montrer toutes ses spécificités. Je profite vraiment beaucoup de lui. Ben, on verra. On verra en même temps si j'ai le temps de faire un deuxième match. Parce que je sais pas si j'aurai le temps ou pas. Étant donné qu'il est assez tard et qu'après, quand même,
Voilà, mes parents vont dormir et tout, donc voilà, je sais pas si je pourrais faire un autre match, mais il y en aura un minimum, et un minimum, c'est vraiment très bien. Je pense que voilà. Après, si vraiment vous voulez deux matchs, mettez-moi dans les commentaires, mais pour l'instant, je pense en faire que un. Donc, on va commencer donc par le gardien. Donc, le gardien, bon, je vais prendre Timo Ward de Everton, qui est très très cheaté dans le jeu, très 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 bon gardien. Je suis tombé pas mal de fois contre lui dans des BPL, et il m'a fait vraiment très très mal, il est vraiment très 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 bon. Donc voilà, Timo Ward tranquillement, l'américain, pour 450 crédits, c'est vraiment pas cher du tout. Donc ça va être une BPL assez low cost, hein, vous imaginez bien que je vais pas mettre 40 000 crédits, enfin 400 000 crédits pour cette équipe. Le but c'est de faire une équipe autour de lui et une équipe qui sera dans les moyens de tout le monde et pas non pas une équipe qui sera dans les moyens de seulement deux personnes. Donc voilà. Donc je vais aller placer Timo Ward dans l'équipe et je vais juste chercher parce que ah, putain mais à chaque fois je me trompe je vais mettre BPL c'est pas René Adler c'est Timo Ward voilà donc je sais que j'ai Patrice Evra en défenseur gauche donc déjà lui il est dans mon équipe je sais que j'ai Koscielny et pas Mamadou Sakho parce que je vais pas mettre Mamadou Sakho en milieu centre j'ai Yohan Cabaye donc lui Yohan Cabaye il est dans mon équipe ça c'est sûr et sinon après c'est tout. Après c'est tout, donc voilà, déjà j'ai quand même rajouté 3 joueurs. Donc j'ai 3 joueurs que j'avais déjà dans mon club, donc que je n'ai pas à acheter. Donc voilà, donc deuxième défenseur central, donc lui il évolue au Spurs de Tottenham, donc il est français. Il s'agit bien sûr de Younes Kaboul. Donc Younes Kaboul, voilà, très 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 bon joueur. Que j'ai pas mis dans ma team France parce que j'ai préféré prendre Sakho étant donné que Sakho a fait quand même un match avec l'équipe de France pour la qualification énormissime donc je pense lui rendre voilà lui rendre un petit entre guillemets hommage enfin entre guillemets enfin pas hommage mais je veux dire entre voilà pour le voilà respect voilà pour le respect mettre Sakho c'est un joueur que j'adore et puis voilà il est très très bon aussi hein, faut pas se cacher c'est pas comme si c'était Pierre hein, Pierre-Paul Jacques mais non c'est un très très bon joueur donc voilà donc ensuite défenseur latéral droit donc lui il joue à Liverpool donc lui bien sûr je le connais voilà quoique je vais prendre celui de Manchester City je vais prendre Micah Richards parce que j'ai pas encore beaucoup testé Micah Richards et il m'a été conseillé aussi par pas mal de potes qui sont eux sur PS3 donc voilà donc Micah Richards pour 1600 crédits normalement voilà 1600 crédits 12,79 8,99 donc voilà j'essaie de vraiment de trouver je vous conseille de faire ça tournez les pas jusqu'à ce que vous trouviez un, voilà il y en a plein 14,99 c'est pas mal 14,99 20,96 bon là on va s'arrêter là voilà 20,96 vous voyez hein. C'est pas parce que vous voyez qu'il y en a un à 14 contrats qu'il faut pas continuer des fois vous en trouvez même à 99 contrats donc voilà ah, d'ailleurs j'ai adhéré en pensant à 99 contrats j'ai un buteur dans ma pile des chances que je vais mettre dans cette équipe. Je vais aller chercher immédiatement. Donc je l'ai depuis un petit bout de temps là. Je le vendais pas. Parce que regardez, c'est Benteke, je l'ai chopé avec 98. Non. Même 99 contrats. Voilà. Donc attendez, il y en a 6. Ouais. 99. J'ai joué 3 matchs avec. Donc ouais, 99 contrats, je l'ai chopé. Donc je vais le mettre dans mon club. J'attendais de faire une BPL pour le remettre. Bah écoutez. Écoutez, c'est parfait. Une BPL pour le mettre, c'est. Parfait. Donc je vais aller placer la défense et Benteke en pointe de cette équipe. Voilà, un très très bon joueur Benteke. J'ai fait. Ah putain, mais. Ouh, ça me gave, ça me gave. Donc Benteke, j'ai fait quoi? J'ai fait 3 matchs avec, 5 buts et 3 passes D. Donc voilà, c'est un très 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 bon buteur. Donc défenseur central, Younes Kaboul, voilà. Et en défenseur droit, Micah Richards. Donc voilà. Donc aussi, vous voyez que l'équipe France est là. Donc c'est pas par hasard qu'elle est là l'équipe France et je vous expliquerai ça pour dans une prochaine vidéo mais c'est pas par hasard que j'ai fait une équipe France et que la team colombienne n'est plus là. Pour ceux qui n'ont pas vu ma série avec la team colombienne, allez la voir. Donc milieu central de BPL, donc qui joue Arsenal. Il s'agit de Jack Wilshere. Donc Jack Wilshere, énorme joueur d'Arsenal que j'aime beaucoup et qui me tarde un peu de tester dans ce fut. C'est vrai qu'il a une belle petite carte quand même. Jack Wilshere cette année comme l'année dernière, mais l'année dernière je le trouvais pas très très bon moi personnellement. Il avait une très belle carte, mais je sais pas, il faisait pas trop la diff. Il était voilà, il était bon, mais sans plus quoi. Il faisait pas vraiment la différence. Et c'est que cette année-là, il a quand même une carte assez intéressante, hein, même très très intéressante.
Et il me tarde de le tester, c'est vrai que il était un petit peu trop, il était un petit peu cher au début. Là, son prix, il a quand même bien baissé hein, avec la baisse des prix, etc., etc. Les boostés et tout. Je pense que lui, il est sorti en boosté en plus, donc voilà. Son prix a quand même assez baissé. Il est passé de quasiment 10 000 crédits. Après, il a baissé à 5 000 et là, il a baissé à 2 500. Donc voilà. Je pense que voilà, c'est un très très bon joueur qui mérite largement d'être dans mon équipe. 85 en dribble, 83 en passe. C'est vraiment ces deux stats qui sont très bonnes. Il est offensif comme défensif. Il sait défendre, attaquer. Donc c'est vraiment ça le, c'est vraiment ça le, la chose qui fait que Jack Wilshere est vraiment un très bon joueur. Donc ensuite ailier droit. Donc là, on a qui? On a Alex Oxlade-Chamberlain, Delefoe, Nathan Dyer et Lamela. Donc moi personnellement, je vais aller du côté d'Arsenal parce que ce joueur il est monstrueux, hein. C'est bien sûr Alex Oxlade-Chamberlain. J'adore ce joueur, franchement il est très 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 bon, que ça soit même en vrai ou dans le jeu. C'est un joueur vraiment qui est capable de tout faire. Il peut frapper de n'importe quelle position, il peut faire des centres, il peut tout faire. Franchement ce joueur il est énorme. Et c'est qu'Alex Oxlade-Chamberlain, c'est un joueur qui est beaucoup dans mes équipes de BPL depuis le début de foot. Donc 12,99, voilà. Donc 12,99 contrat, c'est parfait. Voilà, donc Alex Oxlade-Chamberlain, très 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 bon joueur. Voilà, 650 crédits, je sais pas, mais personnellement pour moi c'est pas beaucoup de crédits, donc voilà. Enfin, pour tout le monde, je pense que c'est pas très cher, à part voilà. Je vais pas te dire ça parce qu'après on a dit, mais moi c'est cher, hein. On n'a pas tous plus d'1 million, ouais, mais voilà, je suis de la chance et tout. Donc voilà, maintenant on va passer à l'ailier gauche, Voilà, on a Raheem Sterling, on a Hernandez, on a Oussama Saïdi, il est monstrueux. Ah, et Lucas Podolski. Je vais prendre Lucas Podolski, les gars. On va aller prendre Lucas Podolski, posé au calme. Le petit Allemand d'Arsenal qui revient de blessure. Hein, en vrai, enfin voilà, en vrai, il revient de blessure là. Il a repris l'entraînement avec Arsenal. Je sais, non, je pense pas qu'il a joué depuis. Je pense pas qu'il a joué pour l'instant, mais en tout cas il revient le Podolski, donc voilà, 87 en tir. C'est surtout pour ça, il a une bonne vitesse. C'est un bon centreur aussi. Il a quasiment 70 en passe. Donc voilà, un très très bon ailier. Donc voilà, et puis le buteur, il est déjà bon. Donc l'équipe est terminée, les gars. Donc ça va, ça a été assez vite. Heureusement que j'avais quelques joueurs dans mon club pour pas faire trop 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 long. Donc je suis déjà à 12 minutes. 12 minutes, donc ça va. Je pense avoir le temps de faire. Je pense, on verra si je fais 2 matchs, mais on verra. Je vais pas dire pour l'instant je vais faire 2 matchs parce que je suis pas sûr. Donc pour l'instant, on dit qu'on fait un match, on va voir si vraiment j'ai le temps. Donc voilà, donc l'équipe est terminée. Donc une belle petite BPL, pas très chère. Pas très chère, elle doit coûter aux alentours de 15, entre 15 et 20 000 crédits. Donc voilà. Donc sur le banc, je vais mettre les joueurs fatigués que je possède, tel le Crémy. Je vais en profiter pour faire reposer pas mal de joueurs de mon club. Voilà, Klaas-Jan Huntelaar, comme ça au moins. Tout le monde sera reposé pour les prochains matchs avec mes équipes. Donc voilà, Nuri Sahin. Donc d'ailleurs, en parlant d'équipe, je vais vous faire une présentation d'équipe bientôt. Bientôt, vous inquiétez pas, elle va arriver. Gustavo Savoy a de la forme. Par contre, Griezmann, un peu moins. Bon, quand même, on va quand même mettre Luis Gustavo parce qu'il y en a pas mal qui sont en forme. Donc on va en profiter, même ceux qui ont besoin. On va quand même les mettre. Voilà, on va mettre Perisic et le buteur que vous m'avez tous conseillé en argent, Paulinho, qui évolue à Livourne. Donc je l'ai acheté, les gars, je l'ai acheté. D'ailleurs, lui, il doit manquer un petit peu de forme, si je me trompe pas. Voilà, un petit peu. Donc Paulinho, et je l'avais même pas vu, les gars. Donc il a 4 étoiles gestes techniques et je l'ai pas encore testé, j'ai pas encore fait de match avec. Donc ça arrivera pour la compète argent, les gars, assez récemment, sous peu, sous ma chaîne. Donc les gars, on est parti pour le match. On est parti pour le match avec cette équipe de BPL, donc on va faire ça en match simple, tranquillement, on va pas se casser la tête. Bouclier des champions, je peux pas, étant donné que j'ai ma série avec j'ai ma série Les Nations qui est en cours. D'ailleurs, je vous sortirai le prochain épisode normalement demain. Donc voilà les gars, donc c'est parti avec cette équipe. Donc on va chercher un match, j'espère en trouver un assez rapidement avec une bonne latence, ça serait pas mal du tout. Donc voilà. Allez, allez, allez. Alors, ouais, c'est bon apparemment. Allez, s'il te plaît, joue. Voilà, c'est parfait. Voilà, c'est bon. Donc,
Apparemment un fan de Chelsea. Non, je pense pas. Donc il a ouais, une équipe BPL, voilà, une équipe BPL assez basique avec Rémy Adebayor, De Bruyne, Kabaï Lampard, Kagawa, Sagna, Vermaelen, Vertonghen, Ashley Cole et David De Gea. Donc ouais, une équipe une très très belle équipe de BPL avec il a mis pas mal de chemistry style sur tous ses joueurs, donc voilà, il a un peu cheaté tous ses joueurs. Donc voilà, une belle équipe de BPL, voilà, donc ça va, on n'est pas non plus tombé contre une équipe de fou, mais c'est une belle équipe. Allez, c'est parti avec Podolski, Podolski. Allez, Podolski qui prend très bien le côté, Podolski, on va mettre un petit centre, c'est bien centré Chamberlain, en remise, la tête, c'est pas fini, Jack Wilshere, Jack Wilshere. Ah, dommage, dommage, première occasion, donc on va vraiment essayer de faire briller Karen Giggs, donc voilà, Ryan Giggs, pardon, donc là c'est vraiment le but de cette série, c'est de faire briller les joueurs contre qui que je tombe dans les packs. Donc on va essayer le plus de fois de le trouver, d'essayer de faire la différence avec. C'est vraiment ça le but. Donc faut que je le trouve maintenant. Voilà. Donc là c'est Wilshere. Alors Giggs maintenant. Voilà. Giggs il est là. Giggs. 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 Oh Giggs. Giggs. Ah dommage. Dommage. Dommage Giggs. Donc voilà. Hein, c'est vraiment ça le but de vous faire montrer un peu toutes ses caractéristiques. Toute sa palette technique. C'est un peu voilà, milieu offensif. Je vais vous faire montrer un peu sa palette technique. Bon, il n'a pas 4 étoiles, mais ça peut être un très bon passeur. Technique, ça ne veut pas forcément dire les gestes techniques, les étoiles en gestes techniques. C'est surtout la qualité de passe, la qualité d'élimination avec des petits crochets. C'est ça aussi la technique. C'est pas seulement les Ronaldo Shop et les Stop and Turn. Hein. Et il ouvre le score. Voilà, il ouvre le score avec Kagawa de la tête. Bon, franchement, je me prends que des buts de la tête de toute façon. Donc voilà. On va. Oh, elle est belle sa célébration, j'aime bien. Franchement, dites-moi si vous savez comment on l'a fait. Je sais pas du tout. J'aimerais vraiment bien la faire, celle-là. C'est une célébration que j'aime beaucoup faire. Ouais, c'est vrai que je sais pas si elle est dans le catalogue. Je vais aller voir. Je vais aller voir dans le catalogue. Peut-être que je vais la trouver. Donc, on se prend le premier but. On se prend le premier but par Kagawa de la tête. Hein, voilà, un classique, classique de la tête. On va pas se leurrer sur ça. Allez. Allez, Podolski, Podolski, Podolski qui court très très vite. Podolski, ah dommage, dommage, j'ai voulu trop en faire avec Podolski. Allez. Oh là 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 là, attention, 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 pas se laisser éliminer, pas se laisser éliminer. Ouah, ma manette, putain. Ah ouais, j'ai plus de piles, les gars, j'espère que. Ouais, je pense que je vais faire seulement un match. Parce qu'en plus, j'ai plus de piles dans ma manette. Enfin, j'ai presque plus de batterie. Donc, si la manette se déconnecte en pleine vidéo, ça va pas le faire. Allez, allez, Benteke! Allez, c'est pas fini. C'est pas fini, Benteke pour Podolski. Podolski, 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 Podolski. Il est bien pris, il est bien. Ouais, il défend bien ce bas. Ouais. Allez, allez, Giggs. Allez, Wilshere, Wilshere, Wilshere. Wilshere, Wilshere, la frappe de Wilshere, oh là là, la frappe de merde, la frappe de la frappe de merde, pardon, de Jack Wilshere, qui passe complètement à côté des buts de mon adversaire. Allez, 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 allez. Bien joué, Kaboul, avec Richard, Richard pour Chamberlain, Chamberlain pour Wilshere, Wilshere pour Chamberlain, Chamberlain. Chamberlain, la fin de frappe, il est passé Chamberlain, Chamberlain pour Benteke, oh là là, dommage, dommage, c'est pas, c'est très mal joué de ma part, très mal joué, et là j'arrive pas beaucoup à trouver qu'à Ryan Giggs là, c'est vrai que depuis le début de match, ou bien joué, ou bien joué, ou bien joué, allez, Wilshere, mais allez, fais la diff là, allez, allez, allez Benteke, Benteke, la frappe de Benteke s'est contrée encore une fois. Allez, allez, la tombée, la tombée. Oh là 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 là, Koscielny, tu dois être là, mon gars. Bien joué, Koscielny, bien repris. Allez, on va jouer directement devant avec Podolski. Ah, mauvaise passe, mauvaise passe. Mauvaise passe, allez, c'est pas grave. Allez. Oh, bien joué, Patrice Evra, dommage. Belle interception. Allez, la touche pour lui. Attention à la tombée, Patrice Evra. Allez, bien joué Podolski, Podolski, voilà, Benteke, Benteke, c'était pour Giggs en plus. Allez, allez, Benteke récupère. Benteke, 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 avec la force. Oh, Benteke, oh, Benteke, oh, Benteke, l'arrêt. Oh, l'arrêt de son gardien. Oh là là, Benteke, là, franchement, je méritais de marquer, il avait fait tout seul. Ah, dommage, dommage. Allez, Giggs, s'il te plaît, tire-moi bien ce corner. C'est bien tiré, la tête de Kaboul, non? Allez, Kabaï. Allez, Kabaï! Kabaï! Le poteau! Oh là là, le poteau de Yohan Kabaï! Oh là 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 là, dommage, dommage. Très belle frappe de Yohan Kabaï. Allez, allez, Chamberlain. Chamberlain. Alex Oxlade.
Le son d'Alex Oxlade. La tête peut-être. Non, y a personne, y a personne. Allez, Giggs. Ah, Giggs qui essaie de faire un petit retour, mais bon, non. Pas trop ça. Allez, allez, allez. Allez. Jouer avec Richards. Allez, Richards. Richards avec Yuan Kabay. Yuan Kabay. Yuan Kabay. Oh, il est pas passé. Il est pas passé, Yuan Kabay. Dommage. Allez, allez, allez. Allez. Ah. Ouf, ouf. Oh, bien joué. Bien joué, Tim Howard. Bien joué, Tim Howard. Allez, la tombée Benteke. Allez, avec Kabay. Putain, je trouve pas Giggs là. Il est où Giggs? Ouais, franchement, là, pour l'instant, je sais pas, il squatte où Giggs, mais c'est un truc de fou. Hein. Allez, Giggs, voilà, Giggs, il est là. Giggs, il est là, bien joué. Bien joué avec Benteke pour Giggs. Giggs, Giggs, Giggs! La frappe de Giggs, oh, dommage, dommage, voilà. Vous voyez, c'est ça, Giggs, c'est ça. Il a vraiment une maîtrise technique très très bonne, ce qui permet de faire pas mal de 1-2, vous voyez là. Petite 1-2 tranquille, il n'y a pas de panique avec Benteke, c'est parfait. Ça passe crème. Allez, peut-être le centre. Le centre, oui. Le centre, c'est contré, ça serait une touche, non? Mika Richard, non, ça sera une touche. Allez, on va jouer, voilà. Ah, non, c'est pas bien joué, c'est pas bien joué. Touche un peu manquée, là. Allez, 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 Kaboul. Bien joué, Kaboul. Avec Chamberlain. Chamberlain. Bien joué. Avec Benteke. 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 La fin de frappe de Benteke. La frappe de Benteke, c'est contré. Allez, allez, ça serait un corner. Putain, les gars. Franchement, là, je domine vraiment beaucoup. Là, je mérite vraiment de marquer un but. Allez, Giggs. Oh, c'est bien tiré. Benteke, non. Lolo, lolo. Allez, allez, avec au centre. Bien joué. Oh, allez, allez, allez. Oh là 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 là, les gars, je domine, putain, mais marque-moi ce but. Oh là là, non. Oh, bien joué, Patrick Evra. Allez, allez avec Jack Wilshere. Jack Wilshere, Jack Wilshere. Le centre de Jack Wilshere. La tête peut-être. Et le but de Giggs. Et le but de Giggs de la tête. Voilà, les gars, la légende est là. La légende est là. Ryan Giggs, le gallois de Manchester United, la légende. Je crois qu'il a 40 ans passé, Ryan Giggs. Et voilà, il marque ce but de la tête à la 44e minute. C'est ça, les légendes, les gars. C'est ça, ils sont toujours présents quand il faut, les légendes. Et il marque ce but, voilà. Ça fait plaisir de jouer avec un joueur comme ça, même si c'est pas forcément un joueur qui va faire la différence tout le temps, mais c'est un joueur qui est présent. Et la Benteke, le but! Le but de Benteke, juste avant la mi-temps, il menait un but à 0 à la 44e minute, mais ça c'était avant les gars, c'était avant parce que à la 45e, ça fait 2 buts à 1. Magnifique finition de Benteke qui me donne l'avantage juste avant la mi-temps. 2 buts à 1, c'est magnifique, c'est parfait. Attention, attention, parce que là, c'est à la mi-temps, ça serait malheureux de se prendre un but. Ouais, bien joué Kaboul, bien joué Kaboul. On relance ça avec Giggs. Giggs pour Podolski, Podolski. Podolski, c'est pas fini. Podolski, Podolski dans l'axe, bien joué. Avec Wilshere, Wilshere qui lance Ryan Giggs. Ryan Giggs, Ryan Giggs à la lutte. Ouh, dommage. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Kaboul, Kaboul, bien joué Kaboul. Encore, encore, encore. Allez, bien joué la récupération, allez, 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 Benteke qui est parti, bien joué de la part de son défenseur. Est-ce que c'est la mi-temps? Voilà, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, les gars, 2 buts à 1, avec un but de Ryan Giggs à la 44e minute qui me donne l'égalisation. Voilà, les gars, on n'a pas forcément vu beaucoup dans ce match, dans cette première mi-temps, mais on le voit parce qu'il nous donne l'égalisation et qu'il est décisif dans cette première mi-temps. Donc voilà, hein, j'ai envie de vous dire une équipe vraiment très très bonne, avec Benteke toujours présent qui marque aussi son but. Hein, voilà, ça fait un petit moment que j'ai pu jouer avec, donc je domine largement le match. 56 de possession à 44, 9 tirs à 3, 6 tirs cadrés à 2, à 3, pardon. Donc voilà, donc je domine largement ce match. Il me manque plus que mettre le troisième pour se mettre un peu plus à l'abri. Allez, c'est parti. Allez, Mika Richards, Mika Richards. Mika Richards avec Chamberlain. Chamberlain pour Mika. Non, c'est pour Benteke qui joue avec Chamberlain. Chamberlain, Chamberlain, Chamberlain. Le centre, c'est bien centré. Podolski, 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 Podolski. La frappe, oh non, il a 87 de tir. Podolski, applique-toi. Applique-toi. Putain, dommage, dommage. J'avais un bon coup à jouer là. Allez, elle a tombé. Bien joué Wilshere, c'est pas fini. C'est pas fini, encore avec Benteke. Allez, allez, Benteke, faut faire le pressing. Pressing haut. Podolski, dommage, dommage. Allez. Allez.
Ouais, bien joué, c'est pour Podolski, 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 ah, j'aurais dû la mettre, un peu tardé là, ou bien joué Podolski qui récupère, Podolski à l'accélère, accélère, bien joué, le centre de Podolski, la tête peut-être de Chamberlain, non, c'est pas fini, c'est pas fini, oh non, je voulais la mettre, oh, je voulais la mettre, son défenseur il la prend juste au moment où je voulais la mettre, oh dommage, dommage, allez, 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 oh bien joué Chamberlain, allez, Jack Wilshere, mais non, il gêne, il se gêne. Oh là là, attention, 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 attention. Koscielny, bien joué. Kaboul, bien joué. Bien joué. Allez, Podolski. Podolski, Podolski pour Giggs. Giggs, Giggs. Ah non! Ah, ça passe juste entre ses jambes. Ah là là là, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance là. J'ai beaucoup de comptes favorables pour lui. Allez, allez, allez. Allez, allez, la tombée! Oh, bien joué, Kaboul. C'est ça. C'est ça, mon Kaboul. Allez. Allez, Chamberlain. Chamberlain pour Giggs. Giggs, Giggs. Giggs, qui lance Chamberlain dans la profondeur. Chamberlain, 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 Chamberlain. Ah là 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 là, dommage. Très très belle passe de Giggs. Très bien, très très bonne dans le timing. Allez Giggs, allez Giggs, allez Giggs, Giggs, Giggs. Un goal, 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 goal. Ryan Giggs, les gars. C'est ça. La légende, les gars. La légende, le Gallois. Oh là 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 là, les gars, regardez-moi ce qu'il fait. Regardez-moi ce qu'il lui fait. Pleine lunette, fin de frappe, petit pont, roulette, petit pont. Oh là là, quel but de Ryan Giggs, les gars, magnifique, magnifique but de la légende. Voilà, la légende est présente, les gars, la légende est présente. Je suis super content de faire cette vidéo avec et je pense que voilà, beaucoup de gens seront assez contents de le voir dans une vidéo parce que c'est vrai qu'il est très 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 peu vu sur YouTube et en vrai, très peu de gens l'utilisent dans leurs équipes, que ce soit de BPL ou de choses comme ça, même dans des hybrides et tout, il n'y a vraiment personne quasiment qui l'utilise et moi, ça me fait plaisir de faire une vidéo avec. Allez, kabaï, kabaï, l'arrêt. L'arrêt de son gardien, Chamberlain, Chamberlain, ou encore. Encore un arrêt de son gardien, dommage. Allez, la tombée. La tombée, c'est pour Kaboul. C'est pas fini. Avec voilà, c'est pas fini, c'est fini. Allez, allez, allez. Allez, bien joué Kaboul, avec Podolski, Podolski, Podolski pour Benteke, Benteke, Benteke qui lance Ryan Giggs, Ryan Giggs, Ryan Giggs, qui passe entre les deux, la frappe roulée! Oh là 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 là. Ouais, c'était encore une fois magnifiquement bien joué. Il est vraiment très très bon. Physique, vous voyez qu'il se fait vraiment pas bouger. Il a vraiment une technique. C'est impressionnant, les gars. C'est impressionnant. C'est dommage qu'il n'ait pas les 4 étoiles parce que là, je pense que ça serait vraiment énorme pour lui. Mais vraiment, c'est impressionnant physiquement comment il tient et une qualité technique de crochet. Il passe vraiment très facilement. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Voilà, les légendes sont présentes. Les légendes sont là. C'est un monstre. C'est un monstre. Allez, Wilshere. Allez, Wilshere. Wilshere, Wilshere, on a vu Podolski, on a vu Podolski, 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 oh la frappe les gars, mais il a une frappe Podolski, c'est 87 ou 67? C'est un truc de fou là, ça fait 2 fois que je suis dans la même position de but avec lui et il me fait une frappe de merde. Allez, allez Giggs, Giggs qui défend, Giggs qui défend, vous voyez ça, Giggs qui défend, le mec qui a 40 ans, il défend encore les gars, c'est un truc de fou, c'est FIFA, c'est Ryan Giggs. Allez, allez, Micah Richards, allez. Allez, bien joué. Avec Kabay, Kabay pour Chamberlain, Chamberlain pour Micah Richards. Micah Richards sur le côté avec Jack Wilshere, ça sort pas, bien joué. Jack Wilshere qui va centrer, Jack Wilshere le centre. Ah, c'est directement sur son gardien, il y avait Ryan Giggs juste après. Allez, 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 Kabay. Alors, est-ce qu'il va quitter? Voilà, il quitte les gars, rage quitte en live, rage quitte en live avec un doublé de Ryan Giggs et un 3 passes décisives de Jack Wilshere. Donc franchement, Ryan Giggs, énormissime joueur, j'ai jamais vu un joueur aussi. J'ai jamais vu une personne l'utiliser les gars en ligne, que ça soit même sur YouTube, jamais vu de vidéo avec Ryan Giggs dans l'équipe de la personne. Et moi, je suis vraiment super content de vous proposer ce création d'une équipe. Au hasard, épisode 2, aussi épique que celui-là, avec un Ryan Giggs qu'on n'attendait pas forcément, mais Ryan Giggs qui est présent et qui nous marque un doublé en un match. C'est parfait. On n'était pas tombé contre une équipe facile à jouer. Le mec ouvre le score et Ryan Giggs, il m'égalise et il me donne le troisième but qui fait la différence, les gars. Donc voilà, donc je vous répète ses stats. Donc Ryan Giggs c'est 82 en dribble, 84 en passe, 76 en tir, 64 en vitesse, c'est un peu son petit bémol, 1m79, il a moyen en attaque et moyen en défense, il est gaucher, 2 étoiles de mauvais pied et 3 étoiles de geste technique, donc c'est pas forcément le joueur que vous allez
de voir tout le temps dans les équipes BPL. Mais franchement, les gars, si vous voulez jouer avec une légende, si vous voulez vous faire plaisir avec un ancien, si vous faites une équipe d'anciens, d'ailleurs, je pense en faire une équipe avec que des légendes dedans, enfin des joueurs, pas des légendes, les cartes blanches, les légendes encore actifs dans le monde du football aujourd'hui qui jouent encore au foot. Donc voilà, Ryan Giggs peut en faire partie. Et en tout cas, franchement, les gars, j'espère que ce création d'une équipe au hasard épisode 2 vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo avec un Giggs énorme. Et donc, moi, les gars, c'était Fianso Fut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo, les gars. Allez!